Pendant plus de 10 ans, Marlin a consacré un mois par an à peindre sur les îles Canaries, au large des côtes du Maroc. L'influence du paysage volcanique des îles et des colonnes de basalte, ainsi que la puissance de l'océan, apparaissent dans les deux peintures de cette partie, Escale 2 et Impression fugitive. À cause des courants dans l'océan et des vents, beaucoup d'explorateurs et de marchands d'esclaves préféraient naviguer directement de ces îles jusqu'aux Antilles. Comme nous le savons, pendant la période appelée l'infâme commerce triangulaire ou traite atlantique, les Européens emmenaient en Afrique des vêtements, des biens bon marché, de l'alcool et de la nourriture pour les échanger contre des esclaves. Puis, les négociants partaient vers les Amériques avec des bateaux chargés d'esclaves qui allaient servir de main-d'œuvre dans les plantations. Là, ce tableau, il est intéressant parce que, si tu veux, là, il y a de l'influence. Là, il y a beaucoup de l'influence de mes voyages aux Canaries. Beaucoup de l'influence de mes voyages aux Canaries. C'est un pays extrêmement volcanique. C'est un pays où tu as beaucoup de colonnes de basalte comme ça, où tu as une relation entre le feu et l'eau. Hein? Beaucoup de relations entre le feu et l'eau. Et si tu veux, j'ai voulu un petit peu, à travers ce tableau, montrer un petit peu cette rencontre entre le feu et l'eau. Et combien de temps est-ce que tu as passé aux Canaries? Ben ça fait, je suis quand même allé régulièrement pendant 10 années là-bas. Chaque année, je partais pour un mois. Ouais. Donc ça fait quand même, ça m'a permis quand même de connaître pas mal le pays et de rencontrer beaucoup de gens. Enfin, Mais où se trouve le Canary? Je ne sais c'est pas, mais. au large du Maroc. Cette Ce peinture, tableau, ce oui. tableau s'appelle Impression fugitive. OK. Tu vois? Donc j'étais dans une route de montagne très très escarpée aux Canaries et il y avait de la brume. Et il y avait quelqu'un avec moi et j'ai voulu faire une photographie de cette personne tout en sachant que le film que j'avais n'était pas un film extraordinaire et tout en sachant qu'il n'y avait pas beaucoup de lumière. Je ne sais pas comment, ce qui s'est passé, j'ai ouvert mon objectif, enfin j'ai fait la photographie et quand j'ai développé la photographie, autour de la personne, il y avait l'aura de la personne. J'avais photographié l'aura de la personne. L'aura de la personne, Tu vois? oui. Et à partir de la photographie, quand j'ai vu cette vision de l'aura de cette personne, parce que c'était pas, il n'y avait pas d'explication, techniquement, ce n'était pas possible que je puisse avoir cette lumière autour de cette personne. Donc, il n'y avait pas d'explication, je n'avais pas de flash, enfin bon. Et donc, à partir de là, j'ai voulu retrouver un petit peu cette vision que j'avais eue, tu vois? Donc, à partir de terre, de sable, à partir de racines, à partir de certains éléments, j'ai voulu exprimer ça. Voilà. Et c'est impression fugitive. D'ailleurs, tu vois bien, enfin, on dit c'est une femme, mais bon, ben, c'est une femme, certainement, mais bon, Et il y a c'est beaucoup une de femme. mouvements. Mais en même temps, on pense au volcan aussi, en même temps. Oui, On pense oui. au magma, on pense à la lave, on pense à beaucoup de choses. Oui. Hein.